Ok. Ok, salut chers amis, chers connecteurs du site numéro 1 en ligne www.nounostop.com. Aujourd'hui, vous reconnaissez les têtes. Nous sommes aujourd'hui avec des grands, des mythiques. Aujourd'hui, un coup de révélateur. Actuellement, qui mousse à Bijan, via Paris. Nous sommes avec moi aujourd'hui. Je vous présente Cisco l'Impérial, à Tito Pata. Les chefs du Zoubou sont avec moi aujourd'hui. Ok les gars, déjà on va passer d'abord au sujet du jour. Vous allez vous présenter à l'état civil d'abord. Voilà. Bon, salut, moi c'est Marco Benoît Valère. Salut, moi c'est la partie SM. Quoi dire une question au France. C'est ce que l'on fait. Ouais. Voilà, bah aussi, tu y as. La première chose qu'on vous demandait déjà au groupe champion en titre, c'est d'abord comment vous êtes parce que vous attendez tellement que il y a longtemps que vous êtes ensemble. Depuis quand vous êtes ensemble? Depuis quand vous êtes ensemble? Bon d'abord, si ce que l'on fait avec moi, c'est que vous êtes bien fait d'abord. Voilà. Et lui et moi, on a vu le même quartier, on a vu le même quartier. Je vous enseigne de mettre à Timbago pour ceux qui connaissent. Voilà, si ce que hormis la musique, je sais que le voilà. Je ne pas pour moi, il a poussé un peu de bandeau. Bon, tu donnes de l'énergie. Est-ce que toi et moi, pas se mettre ensemble pour faire un pic? Ça commence en 99. Tu voilà. Lui et moi, c'est une famille. Ben, dans le temps, moi, ce que j'ai remarqué dans votre humanité, parce que d'abord, on vous sent d'abord trop exprimé, c'est vraiment pour le dire, vous êtes beaucoup inspiré, mais qu'est-ce qui vous marque hein? Qu'est-ce qui vous a marqué? On a entendu que vraiment vous parlez de la misère, de la galère, tout ça. Qu'est-ce qui vous inspire, Fritz? Qu'est-ce qui vous inspire? Moi, je veux savoir ça. Ah ben, en fait, c'est ça. C'est dans la musique, il ne faut pas se lisser, il ne faut pas, on ne vend pas, quoi. On chante ce qui est juste, on chante les faits d'actualité. On dit qui n'a jamais vécu la misère, la galère? C'est vrai, il y a d'autres nègres. Avec une tuée d'argent. Mais ses parents ont souffert d'abord, tout lui a vécu là, dans le bonheur. Donc, en fait, nous venons d'un quartier, des bas quartiers, un quartier précaire. C'est vrai que la selle même. C'est un quartier de famille de traités en fait. Donc c'est la galère. C'est ce que nous on a vécu. Quand on le transmet. Parce qu'on sait que ce qu'on a vécu, tout le monde a vécu ça. Donc l'inspiration vient déjà de la vie qu'on vit. Et elle est divine aussi, parce que c'est Dieu qui m'a inspiré. On vous a vu dans ces temps-ci, en Europe, on a vu tout ça sur YouTube, ainsi de suite. En tout cas, ça nous va droit au cœur. Nous, ce qu'on veut savoir déjà, c'est comment s'est passé votre accueil en Europe. Voilà, comment les parents de la France, de l'Europe vous ont accueilli. Bon Dieu, merci d'abord. C'est bien passé. Voilà, on dit que c'est pas la situation de l'Europe. On était déjà écouté. On a commencé d'abord sur le futur avec le premier président du Saga. Ça passe en 2002. Après 2004, on a aussi fait les choses de Kabila Saga. En 2009, on a fait le dernier avant de Dibi et les familles. Voilà, tu vois, on était beaucoup écouté là-bas. On ne connaissait pas. D'abord, quand Dieu a permis que ça soit ça. L'accueil était bien, tout le monde a aimé. Et la partie qui m'a plus, c'est que, en écoutant nos chansons, on voit comment ça marche. Il ne peut pas penser que c'est les jeunes qui font la musique qui s'écoute. Voilà, je veux dire, on dit à ce que moi, c'est ce que je veux dire. C'est des pionniers, je dis, c'est des personnes qui sont âgées. Mais à nous voir, c'est la nouvelle génération. Donc ça a plus capté ces personnes qui nous écoutaient avant. Moi, il y a un fait qui me marque beaucoup. Il y a un fait qui me marque beaucoup. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous demander ça. Le fait qui me marque beaucoup, c'est vous d'inspirer les créatrices, qu'ils soient sous vous ou pas. Parce que là, sincèrement, moi, quand je vous trouve vos sons, je me sens dans la peau, dans votre peau directement. Voilà. Moi, je vais vous demander aujourd'hui, vous d'inspirer les créatrices. Bon, tout le plan de travail. Et bon, ça s'inspire de tout. Depuis la base. C'est des salopards, parce que c'est des gens qui avaient des thèmes engagés. Voilà. Ils n'étaient pas les cibles. Un cap, c'est juste. Donc c'est inspiré de leur travail, tout ça. Et aujourd'hui, il y a Soumbi qui continue sur le même travail. Le Soumbi, sur le plan européen, c'est vrai, il fait son petit bonhomme de chemin. Il n'y a pas trop de tapage médiatique, mais c'est un grand. En tout
que la rue. Donc ensuite sur les actes aussi, et sur le plan de travail, sur le plan comportement aussi. On dit quand tu chantes, c'est pour toucher l'âme de ton frère, c'est comme la parole de Dieu. Il ne faut pas se mettre dans le vide. Quand tu sèmes, il faut que tu aies tous des âmes. Bon, j'ai constaté que bon, voilà, notre travail en tout cas est suivi. On dit sur le net, sur tous les sites, sur tous les réseaux sociaux. Bon, en tout cas, je crois que ça va. On n'a pas se mettre dans le vide. Voilà. Nous, on chante pour toucher les âmes. On ne chante pas pour toucher le corps, pour faire bouger forcément, mais c'est pour toucher l'esprit. Parce que le début, c'est un esprit. Voilà, donc c'est ça. Il y a une chose que moi je vais vous demander, si c'est quelque truc, ça va concerner votre privé. Voilà, en fait, nous voulons vous demander, vous savez, la vie d'artiste, c'est pas un métier facile. Voilà, vous êtes beaucoup côtoyé déjà par les filles, tout ça. Est-ce que à titre Pata est-ce que l'impérial en des questions dans la vie? Voilà, parce que vous laissez les choses, voilà, vous laissez les choses. Bon, bien sûr, en tant que tout homme. Ça, c'est la moindre des choses. Tout est, en tant qu'artiste, il faut avoir quelqu'un à tes côtés pour pouvoir mieux gérer ta carrière. Quoi, en fait. Ils ne sont pas encore mariés. Mais moi, franchement, personnellement, je vis en concubinage avec ma chérie et j'aime bien. Voilà, j'espère que attendre. Déjà, bon, je ne le dis pas pour blesser quelqu'un. Tous nos fans, je vous fais bisous. Continuez à nous aimer. Même s'il y a femmes dans nos villages, les femmes, elles nous toujours. C'est par rapport à ce qu'on fait. Sinon j'ai une femme de ma vie. J'ai une fille de 5 ans. Voilà, ça s'appelle Manu et Manila. La fille de Dieu. On va expliquer ça. Je vis avec ma copine. J'aime bien. Elle est mon enfant de 7 ans. Ça veut dire que d'abord, moi je dis merci à nos femmes. Laisse à eux les gérer. Continuez toujours à nous encourager. Continuez toujours à écouter nos voix. Voilà, on a ça. Ok, moi il y a un truc que je vous demander. C'est concernant votre dernier album. Il faut le dire sincèrement. On croit que on prie Dieu même pour que tous les jours du film. Et tous les artistes du groupe s'inspirent de ça, sincèrement, il faut le dire. On sent que vous êtes un groupe, vous prenez beaucoup de temps pour prendre le beat, pour composer en fait. Il faut le dire. Parce qu'on a écouté votre dernier, mais voici. Moi j'ai analysé les paroles. Vraiment, c'est un tube. Voilà, c'est un tube. Voilà. Donc moi, si ce que, moi je vais vous demander, à titre pataille, si vous avez bien, vous avez des personnes qui composent vos textes ou bien. Vous composez votre journée. Non, en fait, en Zoubou, il faut avoir un répertoire, il faut avoir une page. Avant de se lancer dans la musique Zoubou, il faut avoir une page. Nous, avant de commencer notre album, on était déjà requin de studio. Parce que depuis l'an 2000, c'était bonne mémoire, avec notre premier producteur qui était Didier Silva, il y avait un studio à Rivera à Toban. C'est là-bas même qu'on a réalisé l'album de Zoubou Chaga. Nous, on dormait, il était presque en studio. On était plus dans la musique. Parce que là, notre chambre était juste à côté du studio. À chaque fois que la région est inspirée, on nous répète, une fois là, venez, il y a un son là, venez. Non, on était des requins de studio. Et on a un répertoire qui est plein. Et ça fait 16 ans de galère et 13 ans de carrière. Donc ce n'est pas 3 jours, ce n'est pas 13 semaines. Ça fait 13 ans. Donc on a un répertoire qui est déjà plein. Et puis Dieu nous a donné le talent d'improviser facilement. Et par rapport à nos tests, personne sur cette terre ne nous donne ça. C'est nous qui composons, à tout pas tellement, c'est nous qui composons nos morceaux. Parce que déjà l'esprit, le ouvert, le talent, Dieu nous l'a donné. Comme on dit, il y a un problème qui dit, ne cherche pas le bonheur chez le voisin, il est avec toi. Donc, dis ça ton talent, appuie-toi sur ton talent pour avancer. Donc voilà, c'est en ce sens que Dieu nous inspire et on a l'inspiration toujours de composer nos tests, sinon personne ne le fait à notre place. Et moi, la dernière chose que moi je vais vous demander, c'est qu'est-ce que le groupe champion de titre veut que les Ivoiriens voient le monde entier retiennent d'eux. Bon, ouais. Là tu as bien fait Ahmed Choco. D'abord, il fait un petit coucou à Maman Maï, depuis Côte d'Ivoire FM, voilà, depuis Paris. Elle nous a réussi là-bas. Parce que quand t'es pas bien accueilli, on peut te recevoir une radio. C'est une grande radio, une radio de référence. Donc, je vous dis d'abord qu'on nous a bien accueillis. Et j'aimerais que tous les mélomanes, qu'ils soient ivoiriens, qu'ils aient de la diaspora, qu'ils retiennent qu'à titre passé sur le périal, d'abord c'est le live, c'est le Gatapila.
c'est deux sachets de mélodie. Voilà. Donc, on ne va pas changer. On continue tout dans le même cadence. C'est vrai, un artiste qui a bien les rentrer en CD sur son album. Si on pouvait chanter comme ça, on allait le faire. Parce que c'est à notre base. Et on est toujours prêt à leur apporter ce dont ils ont besoin.